Ça y est, on peut y aller. Je vais vous montrer où sont les conduites. Contrôle-moi ça. Elles sont chargées d'électricité. Ah! C'est donc ça leur générateur principal. Oui, ça justifie la présence des Cerbères. Je m'en occupe. Je vais les faire partir. On se verra à l'intérieur. Bonne chance. Alors, on visite les lieux. Tac, ferraille. Oh! On ne vous a jamais dit que vous étiez aussi laid que très mal fagoté. Ah, je serai le premier à vous le dire. Vous êtes des horreurs ambulantes. Et c'est un compliment. Ah, oh, comme c'est dommage. Votre projecteur est cassé, mais le tir était parfait. Bloqué. Marilyn, à toi de jouer. Ah, avec plaisir, princesse. Après toi, ma douce. Hé, les épouvantails. On est bien samedi soir. En général, c'est le soir où on prend un bain. Ça y est, je viens de couper l'alarme. Là, tu peux y aller. C'est un ordinateur de première qu'ils ont là. Ouais, c'est top niveau. On fait quoi maintenant? Je vais saturer la charge électrique. Et voilà. Oh, tu as mis la gomme. Il n'a pas l'air d'aimer ça. Ça va sauter. Du balai. Faut pédaler. Branchons les turbos. Pardonnez-moi, docteur Robotnik. Qu'y a-t-il, l'avoué? Je suis très occupé. Fais bouger tes mâchoires, Glock. Allez. Sois concis, l'avoué. Lui, il s'en est allé. Qui donc s'en est allé? Le hérisson, docteur. Où est allé le hérisson? Près de la centrale électrique, docteur. La princesse et sa patte articulée de lapine étaient avec lui. Seule l'alerte s'entardait. Oui, oui. Il y a un autre problème, docteur, avec le gros générateur. Satané hérisson, ce parasite! Au cervelle de ce vieux fou va sans doute disjoncter. De toute façon, sans électricité, il n'aura plus d'éclair de génie. C'est curieux, je ne te sens pas là, Sally. Tu devrais sauter de joie. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, il fallait neutraliser le groupe électrogène aussi. Je doute qu'ils en aient un. Galère! Ils en ont un! Bon sang, j'en appelle la pulsion! Ne t'en fais pas, Sally. Un jour ou l'autre, on neutralisera. Combattants de la liberté commencent à sérieusement m'inquiéter. Élaborons un plan pour éliminer le hérisson. Il y a un moyen de le terrasser. Je t'écoute, l'avoué. Faisons appel à ses certitudes en matière de vélocité, docteur. Comment le terrasser? En organisant un grand concours de vitesse officiel. Cette idée me plaît énormément. Le hérisson sautera sur l'occasion pour faire des prouesses. Il me mangera dans la main.
Qui est le citoyen le plus rapide de Mobius? Demain à 14h, un trophée récompensera celui qui gagnera la course. Venez nombreux. Quel imbécile, ce Robotnik! Ah, il sait que je suis une vraie flèche! Tu les battras tous, Sonic! Tu peux être sûr que je vais les battre! Sonic, c'est encore un piège organisé par Robotnik. Ouais, parce qu'il pense que je suis stupide! Je gagnerai cette course quoi qu'il advienne! Oh, tu tiens à la faire! Mais il n'y a pas d'autre solution! Il pourrait croire que je me dégonfle! D'abord, on doit détruire son groupe électrogène. Bien sûr que tu as raison, Sally. C'est pendant que je courrai que vous agirez. C'est une idée plutôt hasardeuse, Sonic. Tu as pensé au danger qui te menace. Hé, je suis encore là, que je sache. Ne t'inquiète pas. J'ai la pêche en ce moment. Et tout est prêt, docteur. Fais partir le premier concurrent. Partez! Génial. 700 km de vitesse de pointe, docteur. Bon résultat. C'est une moyenne excellente. N'oublions pas que son accélération a été réduite de moitié. Surprise, surprise, cher hérisson. Surpris, le petit chaperon rouge dit. Mon Dieu, grand-maman, comme vous avez de grands yeux! Et le grand méchant loup lui dit: c'est pour mieux voir ton adorable visage, mon enfant! Oh, ce loup est vraiment très méchant! Un crotale, une vipère à cornes, un boa! Qu'est-ce qui cloche dans ta tête, Sally? Faire cette course et se jeter dans la gueule du loup, c'est trop dangereux. Je n'aime pas que Sonic s'aventure tout seul dans la cité. Pourquoi? Sonic va la gagner. Sonic est le plus rapide de tous les concurrents. C'est de loin le plus rapide, chérie. Mais des fois, il prend des risques pour rien et nous avons besoin de lui. Sonic est un dur à cuire. Il a dû évaluer le danger. Faisons-lui confiance. Confiance? Je veux bien. Un signe du hérisson? Non, docteur. Ce misérable insectivore ne peut pas manquer ça. C'est curieux qu'il n'y ait personne. Pas même un Cerbère. C'est drôle. Où crois-tu qu'il puisse être? À la course? Oh non, tout cela ne me plaît guère, je l'avoue. Quelqu'un? Non, où ça? Moi, j'ai pas de temps à perdre, les gars. Oh. Merde, qu'est-ce que c'est ? Bon, disons que c'est mieux, mais c'est encore un peu trop lent, ça. J'ai des doutes sur l'intelligence de ton maître. Il devrait savoir qui je suis depuis le temps. Tiens. Que vois-je là? Un concurrent du chaperon rouge? Allons, un petit peu de courage. Mettez-vous au départ de la course. Mes meilleures machines n'attendent que vous, Sonic. On dirait que la course va commencer. Allons-y.
Aucune règle ne sanctionne cette course de vitesse. C'est moi qui vous donne le signal du départ. À vos marques. Partez. Yahoo! Garde un peu d'énergie en réserve. Je me chauffe pour l'instant. Hé, avertis quand tu t'échappes. Yahoo! Pouvons-nous faire notre première surprise au hérisson? Tout est prêt, nous attendons vos ordres. Je meurs d'envie de surprendre ce rat. Pour le surprendre, vous serez comblé. Le second vous satisfera sûrement, docteur. Je l'espère, la fouine, ou tu en subiras les conséquences. Oui, je comprends. Oh, cette quiétude est horrible à supporter, Marilyn. Tout te fait transpirer, Antoine, c'est chronique. Mais tu es un fin sourire, petit malin. C'est là. Nicole, projetez-nous les lignes d'intensité schématique. Recherche. La cité s'ouvre devant toi. Nicole, secteur 10, cadran 3, bloc 6, édifice 2A. Seulement l'intérieur. Recherche. Oh, c'est le groupe électrogène que nous cherchons. Arriverons-nous à passer les Cerbères sans l'aide de Sonic? Je ne fais qu'analyser le dilemme. Analyse en silence. Je n'arrive pas à me concentrer quand j'entends tes soupirs, voyons. Si tu as quelque chose à dire, dis-le autrement qu'avec des borborygmes. Oh, j'ai oublié ma montre bracelet. Pour entrer, j'ai peut-être la solution, Marilyn. Suivez-moi. Attention, victoire. J'avoue être assez satisfait de ce stratagème. Courage, hérisson. Ce n'est pas ce gadget qui va te faire perdre la course. Mais turbo, Sonic. Toi,
ne t'avise pas de refaire ça au hérisson. Je gagnerai ta course même si tu me mets des bâtons dans les roues, docteur. Et fais-toi bien à cette idée, c'est incontournable. Ah, je suis humilié par un moins que rien. Je sais pas, l'ordinateur est en cause. Le problème, c'est que j'ignore pourquoi. Tu m'as déçu au plus haut point, la fouine. Docteur, je vous promets que le tout dernier obstacle sera d'une efficacité extrême. Il ne le franchira pas. Je veux voir. La voie est libre. Allons-y. Je suis partagée entre l'idée de faire le guet et celle de me joindre à vous. Pas de discussion, Antoine! Je n'ai pas souvenance d'avoir eu à affronter pareille situation. Seigneur, je suis obligée de céder aux exigences de cette tortionnaire! Oh! Antoine, dépêche! Ah! Maintenant, faut pas m'avirer ici. Suivez-moi. Allez, un peu de courage. Dis que tu croyais me battre et je dirais que tu es stupide. Ingénieur, je serais impitoyable si ton plan échoue. Vous serez satisfait de cette surprise, docteur. Regardez ce qui va se dérouler. Qu'est-ce que c'est encore? Allez. Ah, ce n'est pas exactement ce que je voulais voir. C'est sa dernière heure. Oh oh ah, je perds le contrôle. Ah oui, ça c'est parfait. Oh ah, je serai noté 10 au championnat. Bien. Où est ce concurrent à la gomme? Oh, puis qu'est-ce que ça peut faire? Je vais gagner la course avec ou sans lui. Voilà Sonic. Moi, je vais dans le centre de contrôle pour faire disjoncter le second générateur. Il y a un problème pour atteindre ce générateur. Pour que tu y parviennes, il va falloir que tu empruntes cette méga courroie. Désolé de vous priver d'un tel plaisir. Mais que ne ferais-je pas pour vous rendre service? Non, Antoine, c'est trop dangereux. Le danger est un boulet que je traîne depuis ma naissance, ma chère. Ne perdons pas pied devant l'adversité, hein? Non! Oh, attends, suspend ton vol! L'heure est trop grave! Retrouve le hérisson. Salut, j'ai vu le signal. Qu'est-ce qui cloche? Et Antoine, regarde. Sonic, sans moi. J'arrive. Merci, Sonic. Merci. Ne restons pas là. La machinerie va fondre. Secteur 4, contact hérisson. Négatif. Je le savais. Où se trouve le hérisson, la fouine? J'en sais rien. Il a disparu. Tellement. Disparu où ça? Quelque part, docteur. Mais
Dis-moi comment il a pu disparaître, misérable mutant. C'est toi qui... Explique-moi ce qui se passe. Encore une petite panne. Bien sûr que nous aurions pu marquer un point très important si Sonic avait remporté le trophée. Mais il est clair que nous venons de franchir un nouveau pas dans la lutte que nous menons contre Robotnik. Paix et liberté sur Mobius. Paix et liberté sur Mobius.